Yo, 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 la compagnie, comment va aujourd'hui? Yo, mes petits ouftos, comment ça va aujourd'hui? Mais t'es encore là, toi? Mais tu vas me laisser tranquille, nom de Dieu? Je te l'ai dit, mon petit papa, je veux faire partie de tes vidéos. Moi aussi, je veux faire des vidéos sur Internet. Moi, je kiffe, j'aime bien qu'on voit ma petite gueule, un gars comme je suis beau gosse. Ouais, salut les filles! Tinopix et Doudoupix. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, c'est fait, c'est acté. Le mec, il est tout le temps là. On peut plus rien faire. Voilà. Donc, Doudoupix, c'est parti. On se retrouve aujourd'hui dans un cimetière de train, Lost Train pour les Américains, un site de stockage de wagons en attente de démantèlement. Voilà. Donc c'est un terrain de jeu très propice aux graffeurs, forcément, c'est quand même la base du graff, les trains. Donc ils s'éclatent là-bas. Et les trains sont vraiment bien indiqués, sont bien nagés. Alors, les wagons nagés. Ils sont pas âgés, ils sont nagés. Donc ils nagent. Donc ils ont la faculté de nager, quoi. Vous pouvez le constater, hein. Il y a eu du vécu par là. C'est sympathique. C'est la SNCF. Que ce soit de toute façon des trains qui roulent ou pas, ils sont pourris, non? Donc, il y a environ, grosso modo, une cinquantaine de trains, de wagons et de locomotives, tout confondu. C'est assez grand comme site, c'est assez massif, mais c'est assez surveillé aussi, parce que c'est forcément c'est actif, vu qu'ils les stockent et ils les reprennent pour les démanteler. Donc les voies sont actives et chargées en électricité. Il y a déjà eu des accidents graves et mortels sur ce spot, donc n'y allez surtout pas. Et si vous y allez, faites vraiment attention et ne montez surtout pas sur le toit des trains, parce que c'est comme ça qu'une personne est morte. Elle a fait le relais entre la terre et le train, enfin je sais pas, en tout cas l'électricité est passée à travers, elle s'est tapée du 10 000 volts, c'était fini, c'était un gigot. Donc faites attention, surtout quand vous allez en urbex, c'est très dangereux, il y a des spots ultra dangereux et très surveillés. Donc ici on se retrouve dans des vieilles rames quand même assez vieilles. On voit quand même le style qui nous laisse paraître des wagons des années 80-90. Complètement taillés. Bon, il y a des tailles qui sont bien, il y a des tailles qui sont moins bien. C'est pas le débat. Moi, j'aime le street art, mais pas n'importe quel street art non plus. Hein. Mais ici, ça va. Il y a des trucs qui sont vraiment intéressants. Quand c'est comme ça, c'est joli encore. Mais quand c'est du gribouillis, je vois pas à quoi ça sert, honnêtement. Je vois pas à quoi ça sert. Après, il y a le débat de ceux qui aiment le lettrage, ceux qui aiment les fresques, mais ça, c'est encore autre chose. L'essentiel, c'est que les mecs, ils sont bourrés de talent, et que c'est un art qui est en plein essor en ce moment, et ça fait plaisir. Voilà. Continue notre avancée dans ces trains abandonnés. Paraîtrait aussi qu'il y a eu une bonne paire de toxicomanes qui ont squatté ces trains. J'ai même moi-même trouvé quelques seringues par terre. Donc c'est pas un spot à visiter avec ses enfants, ça c'est clair et net. Hein. Donc là il y a des rangées de trains. Passer d'un côté à l'autre, il y en a partout.
C'est un truc de malade, il y a la nature qui repousse. C'est complètement beau le mec qui a filmé, c'est incroyable. Plus de drogue pour ce mec. Allez, stabilisateur, ça change la vie quand même. Pou, pou, pou. Ah, j'aime bien cette rame là, elle est vraiment sympathique. Allez, un petit tour à l'intérieur. Il y a beaucoup de rames qui se ressemblent. Voilà, c'est la même rame. Poupou. On descend. Et on continue à l'extérieur. Pour avoir ce joli décor de vieux train. Complètement indiqué. Hop, on grimpe dans un autre. Un beau petit graphe en face. Là. Vous voyez, il y a quand même une belle étendue de wagon hein, sur une belle largeur. Ça doit faire 6 ou 7 voies de large sur pas loin d'un kilomètre de long. Hein. C'est quand même un joli gros spot de train abandonné. Hein. Donc il y a beaucoup de différences dans le style des wagons, puisqu'il y a beaucoup d'années qui séparent l'une de l'autre. Des années 80 et des années 90, il y a des choses un peu plus des années 2000. Voilà, c'est clairement des années 80. On avance. On explore tous ces trains, ces magnifiques tas de ferraille en train de pourrir sur place. C'est fantastique. Allez, on va retourner à l'intérieur, une ambiance un peu SP, créée par la peinture. Ah, c'est des trains plus récents qui sont un peu moins intéressants à voir, je trouve. Allez, encore une grande rangée là, on passe en face. Zou, Zébandi. Les petites toilettes. Locaux? Non, c'est un peu wagon, mais un peu différent des autres. Peut-être plus commercial. Peut-être pour le bétail. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Peut-être qu'on va y aller, peut-être qu'on va pas y aller. Eh, hey, dis-moi, t'es sûr d'avoir préparé cette vidéo ou tu la tournes à l'arrache comme ça? Donc bah là c'est une locomotive, hein. C'est loco, avec toute la machinerie. On avance tant bien que mal dans cet espace très réduit. Alors, je crois que j'avais trop de matériel sur moi, je passais pas. Je la redécouvre en même temps que vous, ça fait très longtemps que je n'ai pas regardé cette vidéo. Truc absolument à pas faire, hein. Moi je le fais. Je l'ai appris après hein, qu'elle était encore sous tension et que c'était dangereux de faire des conneries comme ça. Ah bah voilà connard, qu'est-ce que tu disais tout à l'heure les accidents? 25 000 volts, toi tu dis 10 000 déjà, c'est 25 000. Et toi tu fais le con, le guignol là. Et moi je veux te revoir à la maison, papa. Ok? Caméraman est complètement bourré. Elle a fait tomber la caméra, elle a fait tomber le téléphone. Le téléphone, c'est. Je pouvais être sponsorisé par Rhinoshield, franchement, je serais le plus heureux du monde. C'est le téléphone, combien de fois j'en ai niqué. Ce serait bien qu'ils fassent des coques de voitures aussi, parce que combien de fois j'en ai niqué en Yampex des voitures. Je crois que je suis à 4 voitures, je crois que je suis à 3 téléphones. C'est pas mal, hein. C'est un bon ratio, on va dire. Allez, je compte pas tout ce que je perds sur les spots, hein, les gants, les caches objectifs. Voilà. Ceux qui passent après moi, souvent, ils peuvent trouver des trucs. Moi, en fait. Donc, je vais mettre mon nom dessus avec mon adresse. Vous me les enverrez.
Et voilà, encore des intérieurs de train. Ça, c'est beaucoup plus vintage quand même. C'est ça qui est bon, le vintage. Petite galère pour monter quand même. Maintenant, la caméra, c'est pas toujours facile. Tellement je sais même plus où aller. C'est fou, il y a des trains partout. Il y a des longueurs et des longueurs et des longueurs et des longueurs. Tu peux y aller 10 fois, 10 fois tu redécouvriras des trucs que t'as jamais découvert en fait. T'auras toujours une surprise. Il est grand ce spot, mine de rien. Parce que là, je fais que filmer, je m'attarde pas à faire des photos, mais vous verrez les photos aussi. Ça a un rendu quand même pas mal, que j'ai bien apprécié. Ah, ça, c'est vraiment des rames beaucoup, beaucoup plus récentes. Ça se voit, point de vue siège, point de vue cabine, de pilotage, c'est quand même bien plus récent. Encore des grappes, encore de la nature, encore de la ferraille. C'est ça qui est bon, I love my crew. On touche bientôt à la fin. Voilà. Entre deux âges, puis il y aurait peut-être fin 90, début 2000. Il y en a qui sont propres, il y en a qui sont déglingués, il y en a qui sont vieux, il y en a qui sont plus récents. Il y a de tout. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a de tout. C'est une grande longueur de train. Et voilà, je vous laisse avec un petit diaporama de mes photos. Et on se retrouve pour une outro. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Doudou, un petit mot pour la fin? Bah, c'était une belle expo, mon petit popinou. Je trouve ça très intéressant. J'ai vu beaucoup de fauteuils où je pouvais taper la sieste de dingue. Par contre, bon, le coin est drogué pour mes petits coussinets. On a vu mieux. Mais en tout cas, mon petit popinou, c'était bien sympa cette petite visite. Tes photos, elles sont superbes.
J'adore. Et merci pour tout. Merci pour cette visite. Tu assures, mon popinou. Ok. Merci, mon chat. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. On commente, on s'abonne, on like. Et big up. Peace.